Coucou Jane, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va super, je suis content de te croiser parce que ton album que j'écoute là depuis quelques jours en boucle, qui s'appelle Zanaka, me fait poser beaucoup de questions. Et donc du coup je suis très content de pouvoir boire un verre avec toi au comptoir du Torréfacteur pour parler de tout ça. Alors on va juste. Alors je préfère dire, on dit Jane ou Jeanne du coup? Donc là c'est Jeanne, hein, parce que Jane, ton personnage que tu as sur scène est quand même un peu plus sage on va dire, mais qui est beaucoup plus festif, là on est tranquille en train de boire un verre. Et parlons de Zanaka, donc c'est un album que tu considères comme melting pot, c'est ton expression si je me trompe pas, melting pop. Ouais. Parce que voilà c'est de la pop mais il y a beaucoup d'influence dans tous les sens, parce que si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, tu as beaucoup voyagé. Pas mal. Ouais, donc du coup, tu as suivi ton père et ta famille à travers divers pays comme Dubaï, Abu Dhabi, le Congo, etc. Et justement, une autre influence qui est importante, c'est rien que le nom de l'album, c'est par là que j'aimerais commencer, c'est Zanaka. Moi, ça me parle parce que je viens de La Réunion. Et Zanaka, c'est un mot malgache. Ouais. Et un mot malgache qui veut dire enfant. Oui. Et la question que je me posais justement, c'est pourquoi ce nom? Parce que c'est ton enfant que tu mets au jour. Là maintenant, ou c'est parce que tu te considères un peu comme une enfant encore parce que t'as que 23 ans? Pourquoi? Bah c'est un petit peu des deux en fait. Ma mère est métisse malgache, donc c'était un hommage que je voulais lui faire. Et il y a certaines chansons donc comme que j'ai écrites il y a 7 ans. Donc voilà, c'est vraiment un album qui m'a suivi pendant 7 ans, qui a fait partie de mon enfance et de mon adolescence. Et je le considère aussi un peu comme mon enfant parce que c'est enfin l'achèvement d'un projet que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. Alors du coup, pourquoi attendre autant de temps, 7 ans, pour sortir ton album? Tu ne te sentais pas prête à l'époque? J'étais pas prête, et puis c'est une question aussi de maturité et de savoir ce qu'on veut en fait. Il y avait certaines choses que je voulais pas montrer et je me sentais pas assez capable, assez grande pour pouvoir les assumer. Et aujourd'hui, voilà, j'assume complètement cet album et j'ai très envie de le défendre. Attends, mais t'as que 23 ans quand même, et t'assumes déjà les choses, tout ce qui t'arrive, le succès grandissant? Pour l'instant ça se passe bien, je dirais pas que c'est... Pour l'instant j'essaie vraiment de défendre cet album le mieux que je peux, quoi. Tu peux quand même mettre dans le contexte, hein. T'as quand même ton titre com dont tu parlais qui a maintenant 4 millions de vues bientôt sur YouTube. Tu fais des prestations un peu partout, notamment Taratata, Le Grand Journal, C'est à vous, t'as beaucoup de retombées presse, tout le monde parle de toi, t'es un peu la sensation du moment. Et ça t'est pas un peu peur tout ça justement? Ça me fait pas peur parce que je sais que ça peut vite passer, donc voilà, l'important c'est de continuer à bien travailler, à bien progresser et à proposer vraiment scéniquement quelque chose d'original à chaque fois. Alors parlons de la scène justement, donc là t'as une date qui est complète à la Maroquinerie le 14 décembre. Oui. Donc j'invite quand même tout le monde à y aller et à essayer de prendre des places, à voler les places aux ceux qui vont y aller, etc. Oui, moi aussi, je les invite. Et après ça marche bien, ça marche tellement bien que tu vas faire la Cigale aussi en mai, l'année prochaine. Donc là on peut toujours prendre ses places. C'est le 11 mai, oui je crois. Alors t'as déjà joué aussi sur pas mal de scènes, hein. J'ai cru voir que t'avais fait les premières parties de Christine and the Queens. J'ai fait beaucoup de premières parties, oui, en général. Depuis 2 ans, j'ai fait quand même pas mal de premières parties, notamment de Christine and the Queens, mais surtout Yo Delis, qui est mon producteur, qui m'a vraiment mis sur toutes ses premières parties. Ça, ouais. Yo Delis qui est, on va dire, ton parrain musical du coup. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui est jeune et quelqu'un qui veut grandir dans la musique, c'est indispensable d'avoir un parrain? Moi forcément, surtout aujourd'hui, quand on voit comment ça se passe, voilà, on peut de plus en plus travailler chez soi, on peut vraiment créer une sorte de home studio. Et puis il y a plein de matériel à utiliser, il y a des sites comme SoundCloud, il y a YouTube, qui permettent vraiment d'avoir un accès direct à ce qui se passe dans la musique. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément... On peut y arriver de chez soi. Alors justement, ce que j'ai vu aussi, c'est que tu es quand même une fille de ta génération, hein. Tu as été découverte d'abord sur MySpace. Oui. C'est là où Yo Delis t'a découvert, donc Maxime Nucci t'a découvert, c'est ça, ce que j'ai bien lu dans ta bio. Oui. Et du coup, ça fait quoi quand quelqu'un qui est quand même important te dit tiens, c'est quand même pas mal, j'aimerais bien qu'on se rencontre, qu'on puisse discuter de ta musique, tes projets. Il t'invite à Taratata aussi pour jouer avec toi. Ouais. T'avais quel âge à l'époque? Alors j'avais 18 ans je crois. Ouais, t'avais 18 ans, mais la musique c'est juste une passion, une manière pour toi de t'exprimer. Exactement, je m'étais même pas encore dit à l'époque c'est ça que je veux faire, et voilà, à l'époque j'étais encore dans ma prépa en art en plus. Donc j'avais pas vraiment fait de choix entre l'art appliqué, le graphisme et la musique. Donc le choix est vraiment venu après, donc j'ai eu une chance incroyable parce que je viens pas d'une famille qui est dans la musique. J'ai pu rencontrer les bonnes personnes qui m'ont aidé vraiment et qui m'ont soutenu et qui ont cru en moi.
Alors pourquoi est-ce que du coup ta famille n'est pas dans la musique, mais pourquoi tu t'es mis à la musique toi? C'est une manière de t'exprimer? C'était quelque chose qui te permettait de créer ton univers dans tous ces voyages que tu as pu faire dans ton enfance? Bah, ma famille n'est pas dans la musique, mais par contre ils écoutaient énormément de musique et des choses assez... C'est quoi la plus belle en sinon? Par exemple? Je sais pas, par exemple ça va de Myriam Makeba à ma maman, à Johnny Hooker, à Janis Joplin, à Pink Floyd, à Bob Marley. Enfin, ils écoutaient vraiment des trucs assez différents et je pense que comme j'ai écouté ça petite aussi, j'ai été éduquée à écouter pas mal de trucs un peu différents et j'ai voulu le reproduire en fait. Ouais, parce qu'en fait c'est vraiment ça, quand on écoute Zanaka, un album pop, parce qu'il faut bien classer les albums, mais il y a quand même beaucoup d'influence, surtout de la musique africaine. Donc tu parles de Makeba, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même une grande dame de l'ethno-jazz, une grande dame de la politique sud-africaine. Oui, puis une grande dame tout court. Ouais, une grande dame tout court, qui est aussi importante, peut-être moins connue, mais aussi importante que Cesaria Evora par exemple dans la musique africaine. Et tu as aussi pas mal d'influence, y a un peu d'électro parce que tu joues quand même avec des outils un peu électro malgré le fait que tu es quand même en guitare sèche, et c'est ça je crois. Guitare sèche, contrôleur Ableton. En fait. Ouais, t'as une voix qui est un peu sale aussi. Et comment t'as réussi à définir ton style? C'est venu comme ça ou t'as vraiment réfléchi en disant moi je vais faire ce style là parce que c'est quand même un univers qui est assez particulier hein. Pour moi c'était assez logique de faire quelque chose d'assez éclectique parce que c'est ce que j'aimerais écouter en fait. C'est parce que personne fait ça, t'as décidé de faire ça? Pas forcément, c'est vraiment parce que mes propres goûts musicaux, ils ont appelé à faire ça en fait. À chaque fois que je me pose devant mon ordinateur et que je me dis tiens, je vais faire un morceau hip-hop, ça finit jamais en hip-hop. C'est-à-dire ouais. que je me sens obligée de rajouter des petites percus, des trucs un peu électro, mais ça fait jamais... Ça fait jamais ce que je veux et du coup ça donne autre chose et cette autre chose je le garde précieusement. Et surtout ce qui est assez marrant c'est que le titre Comme que moi j'ai pu pas mal écouter durant l'été, oui. Donc j'ai pas fait les 4 millions de vues mais bon j'ai quand même pas mal écouté. quand tu le fais au grand journal c'est clairement différent, t'es plus en mode hip-hop, tu prends plus le micro, t'y vas, tu montes sur la table et on penserait pas forcément de ça de toi quand on te voit dans ta tenue, ta petite robe noire à colleret blanc. Il y a un contraste qui est assez bluffant justement, ça c'est volontaire de ta part aussi c'est pour surprendre. C'est que j'avais pas du tout envie de correspondre à l'image de l'album. J'avais vraiment envie de prendre le contre-pied parce que en fait le fil de cet album, ce qui réunit et ce qui le rend cohérent, c'est le contraste entre les chansons, entre les styles. Et du coup, il fallait que ce contraste-là soit présent dans l'image. Que les gens soient étonnés quand pendant un concert, j'arrive avec ma petite robe et à un moment je me mets à rapper. Ça fait toujours un petit effet assez rigolo que je trouve intéressant. Donc c'est ce qu'on voit justement sur la pochette de l'album et on te voit avec plusieurs mains, un peu comme divinité indienne. Bon, la musique n'a pas vraiment de culture indienne dans cette musique, mais quelque part, il y a cette volonté justement d'être un peu au-dessus, j'ai l'impression, au-dessus du lot de la musique actuelle, la pop française, comme tu dis, ouais, un peu différente, contrastée. Mais est-ce qu'on peut dire que tu es quand même une touche à tout? Tu joues de tout, de tous les instruments, tu essayes tout à chaque fois? En fait, je me considère pas comme une musicienne en tant que telle, parce que je ne connais pas, par exemple, le solfège. T'as jamais appris en fait, c'est que avec la voix Ouais, je sais même pas le nom des accords que je joue à la guitare, c'est vraiment, je suis une bidouilleuse en fait. J'essaie plein de trucs, je touche un peu à tout, mais c'est pas non plus approfondi. Donc ce que je fais quand je fais des maquettes, j'apparente plus ça à une sorte de bricolage. Ouais. Alors du coup, t'aurais pas envie d'apprendre la musique aujourd'hui, maintenant que ça devient ton boulot? Je sais pas, parce que je me dis que j'ai peur de perdre un truc en apprenant le solfège et d'avoir des automatismes. Là, je me sens très libre. J'essaie des accords, ça marche, et j'ai l'impression de les inventer alors qu'ils existent depuis longtemps. Alors t'as fait un la majeur. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est assez... Du coup, je me sens complètement libre et j'ai pas envie de perdre ce truc-là. Ok, bon, en tout cas, j'invite tout le monde à écouter ton album qui est vraiment, vraiment agréable parce que là, il commence à faire froid, il commence à faire gris et cet album apporte beaucoup de soleil et beaucoup de mélodies qui sont assez entêtantes et qui donnent envie de danser, de bouger et c'est pas plus mal dans ces temps un peu sombres de voir ça et d'entendre ça et de te voir éventuellement à la maroquinerie et de te voir ailleurs en France parce que bon, il n'y a pas que Paris. Mais moi je t'ai jamais vu en live et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas. Je te remercie Jeanne. On se dit à une prochaine. Ouais, ciao. Bye.